Wesh Nock. Wesh Nino, ça va ou quoi? Tu fais quoi là? T'as tu me rends bronzé un peu mec. Chose, ça bille. Bon, on va y aller nous hein. Je pensais pas que la journée allait commencer si vite quoi. Je pense que là par contre faut trouver un cours parce qu'on a Poudlard et le but de Poudlard c'est d'apprendre des sorts. C'est vrai que depuis que je suis arrivé en fait on cherche à poudre mais au final Gros je te jure t'as une ces têtes d'alcoolo par contre. Vraiment un enfoiré, vas-y casse-toi, je vais plus. Non mais c'est bon, viens wesh. Mec il y a un asthmatique qui nous suit par contre. Oh putain. Je comprends bien pourquoi il soufflait si fort. T'es un élève ou t'es un enseignant frère? On se calme vous deux là. Wesh. Eh hey mec, regarde, y'a Timon et Pumba qui nous parlent. On veut des autographes, regarde. Timon et Pumba. Eh toi, t'as un front, par contre, c'est abusé, gros. Ouais, mais j'ai un bon dégradé, ouais, ouais. Par contre, Robert, tu feras gaffe juste, t'as perdu ça tout à l'heure, que t'es en train de manger dans ton corps, tiens. Ah ouais, putain. Eh, sans mentir, vous êtes vraiment de l'école, là, tous les deux? Mais vous avez redoublé combien de fois? Au moins 20 fois, là. Eh, de toi à moi, t'as pas des liens de parenté avec Hagrid, là? Je sais pas, faudrait que je lui demande, hein. Et juste pour savoir, toi aussi, tu manges des enfants? Putain, il mange pas d'enfants, tu vois. Attends, voilà. Mais tu me contactes, hein, t'inquiète, on se fait un petit rendez-vous. T'as déjà mangé la moitié de l'école, t'arrêtes tes conneries maintenant. Putain. Fais gaffe à lui, ouais. C'est pas pour rien que les serres d'aigle, ils sont plus que 3 à l'école. Et en plus, il veut me séquestrer. Bon, après, séquestrer, ça, c'est un autre débat, hein. Oula. Madame, c'est des mineurs, hein, faut pas. Bon, ouais, Tony ouais, Parker, tu peux pas aller voir là-bas si on y est vite fait? T'as pas un match de Quidditch à gagner là? Vas-y, allez, loin de toi là, wesh. Des racailles en moins. Wesh. Wesh, qu'est-ce qu'il fait, gros? Wesh. Ouais. Je crois qu'il. Wesh, gros, c'est quoi? C'est les nouveaux dunks de Tony Parker. Il fait des têtes plongeantes dans le panier, pour rien. Mais là, dès le début, c'est trop pour moi, j'arrive pas. Tu un truc qu'il faut que tu saches, c'est très important. Tu peux pas arriver à Poudlard sans passer par l'étape obligatoire. Ouais, je suis un renard. Wesh, mais laissez-nous nous concentrer un peu là, on peut plus parler, wesh. Comment vous avez rendu, c'est ça la question. Wesh, Koulibaly là, va-t'en là, on t'a pas parlé toi. Tu dois te débrouiller pour pécho une meuf. On est tous passés par là. Vas-y, ça marche, c'est chaud. Oui, topiez-vous là, allez-y. Tu vois ce que je vois là-bas? C'est quoi ça? Il y a des combats d'animaux. Il y a des combats de Pokémon. Ah, parle mieux à mon chat par contre. Ah ouais, non, mais là ton chat frère il mange des canapés, c'est pas possible, t'es mal à ta kiffé. Elle prend une photo, t'as faim? Wesh, il fait quoi là? Il convulse, il convulse. Faut trop les malins. Eh mais toi on va te mêler, tu vas être choqué. Vas-y on va dehors, vas-y. Quoi? Bon alors là, la tête de homme. Oh là. Quoi? Il y a un lion qui va te sortir. Tu me fais un peu penser à Marine Le Pen. Oh le bâtard. Autopunition. Ah, c'est vrai. Comment ça autopunition? Oh, vite. Bonjour. Moi je te montre comment on drague une meuf. Eh, hey, tu veux pas que je te graille le fiac avec ma... J'aime pas trop les mecs d'Assassin's Creed, tu veux savoir pourquoi? Wesh, elle va faire du flamenco elle ou quoi? T'es pas... Ouais, qu'est-ce qu'il y a wesh? Tu veux te battre? Il s'appelle Carnage. T'as vu la face qu'il a? Il a une face plate, frère. Sa tête, il l'a mangé dans la tête, en fait, le Carnage, quoi. Il faut faire une pause, j'ai trop couru. Wesh, y a pas de plus en plus de gros dans Poudlard, là. C'est... Ça commence à devenir affolant, là. Je pense que Hagrid, il était à la réunion parents-prof et il s'est occupé de toutes les darons. je crois. C'est pas un fond là, ce que tu vas me dire. Bon, par contre, Pimousse, à un moment donné, c'est bon, hein. Mais quoi, on t'a pas adopté? Et pour quelle raison faudrait qu'on t'adopte? Mais c'est pas une raison, ça. Oui, c'est bon. Tu peux rester avec nous, y'a pas de problème. Ah, on va me bouffer. Cours, ne t'arrête surtout pas. T'es ouais. Une fille, toi, non? Ça se voit, non, je pense. C'est quoi cette question? T'as pas des conseils pour que je drague un peu d'autres filles? Ah, tu veux draguer? Déjà, essaye sur ton chat, d'abord. Quoi? Attends, tu lui demandes de draguer un chat? Surtout que Dracofeu, il est open de ouf. Il prend tout ce qui bouge, lui, il s'en bat les couilles. Ça compte pas, du coup. Ah ouais, c'est vrai, ça? Faut être romantique, tu vois, pas direct rentrer dans le tas. C'est ça, les astuces qu'elle te donne. Mais frère, laisse-moi faire ta formation. Elles aiment les mecs brusques. Exemple, regarde, ouais. T'as un mec ou pas? Non, j'ai un mec. Et ce mec-là, il s'appelle comment? Drago. T'as vu, il s'appelle Drago. Tu crois que Drago, c'est la victime ouais. Du village, frère? Ça se voit, il la tabasse, regarde sa tête. Ouais, ça se voit, elle aime les coups de poing. Tu lui mets un coup de fourchette. En gros, tu trouves une meuf, tu la plantes, cache. Et si elle se relève, c'est ta meuf. Okay, ça marche. Si elle se relève pas, cours, parce qu'on sait jamais, des fois ça se passe pas. Mais si je plante une meuf qui est déjà en couple. Alors, je suis pas consentante. Bah viens, toi. Oui, attends, comment ça je suis pas consentante. Dis, essaye sur elle, essaye. Oh tiens, je te mets un coup de fourchette, paf, ça te dit tu deviens ma meuf. Toi déjà, ça fait. Tu vois, il a dit vas-y, oh ça a marché. Non, par contre, t'es sûr que t'es une meuf, parle voir. Ah, je suis une meuf. Attends, mais embuscade. Y'a éléphant sous roche là. Y'a. T'as Dracofeu, s'il te plaît. Mon grail, la main. Il a une sale. Il va te manger. Oh putain, vas-y, à l'attaque. Ah, tu peux être innovante, tu peux être créative, t'attaques un petit coup de souffle. Oh, pourquoi tu parles avec elle? Plante là, wesh. Vas-y, attends, je la pique. Oh. Oh bah, du coup, Drago, je vais le quitter. Hein. Ouais. Aussi simple que ça. Bon bah, voilà. Wouah, Théma. Le sapin, il est giga grand. Et tu crois on peut péter des cadeaux? Tabou, bye bye, frère, il se passe quoi là?
Wesh, l'équipe de rugby, là, vous allez vous calmer, là. Mec, le 15 de France, ça a bien changé, quand même. Putain, mais là... Oh, oh, un peu d'air frais, là. Tu vois, hey, tu vois qui je vois, là-bas? C'est Hagrid. Intéressant. Moi, je parle avec ses citrouilles, ou... Franchement, je sais pas trop. Eh, hey, Hagrid. Non, c'est pas Hagrid, moi, c'est Riddle. J'ai oublié que c'était un Poudlard où les gens qui ont leur nom, c'est pas leur nom. Là, c'est pas un caillou, c'est un toboggan. Eh, toi, je savais pas que ton fils était à l'école, on l'a rencontré. Le problème, c'est qu'il mange tous les élèves de l'école. À un moment donné, il va falloir lui dire de se calmer. Hein. Déjà, pose ta carte graphique RTX 3090 que t'as dans les mains, s'il te plaît. C'est une lanterne. Eh, hey, Hagrid, ta tête en dure un buisson, frère. Ça se voit, tu fais des top 1 faciles sur Fortnite. On est où là? Mais citrouille! On dégage! Pour faire party, il faut quoi? Ouais, c'est un ch'ti. Je comprends pas le clingon hein, dans Star Trek, tout ça. Ouais, y'a moyen, tu parles notre langue ou pas? Tu feras gaffe. Non, moi j'ai rien dit, moi j'ai pas. Mais connaissez-vous la forêt interdite? Hagrid, on va pas se mentir, t'as 56 ans, on en a 12. Tu nous parles de forêt interdite, c'est un peu chelou quoi quand même, j'ai pas mentir. J'aimerais tout simplement vous présenter une nouvelle créature. Hagrid, juste un truc, recule vite fait s'il te plaît. Je veux te retourner vite fait pour voir un truc. Frère, même de dos, il a du ventre. Pardon, c'est bon, je rigole, on a le droit de rigoler un peu, non? C'est chaud. Allez, venez. Ces temps humides et cette neige. Il est mystique. Je me sens essoufflé. On a fait 3 pas. Comment ça, t'es fatigué? Je crois pas qu'il les mange, les citrouilles, il doit faire du schnapps avec. Wesh! Oh, c'est impressionnant, eh! L'arbre. Wesh! Wow, mais c'est quoi cet arbre? Je te donne 200 pièces d'or. Si tu vas jusqu'à l'arbre, tu le touches et tu reviens. Oh, moi le premier, bon sang! Wesh! Hagrid, ça compte pas pour toi! Hagrid, tu nous emmènes où là par contre? Parce que ça fait longtemps qu'on marche là. Oh, c'est quoi ça là-bas? Mec, regarde là-bas! Wesh! Quoi? Attendez, c'est votre ami? C'est pas mon ami, c'est mon père! Je commence à pas être bien là, Nino. Tiens, je vais approcher, n'ayez pas peur. Wesh, Bulbi. Oh, bah, salut Nino. Ça va, Bulbi ou... Salut, le clochard. Comment ça, le clochard? Eh, t'étais pas censé m'envoyer un hibou? Je vais regarder dans ma sacoche. Ça, c'est des bâtons. Ah, y'a un parchemin. Attends, j'ai un parchemin, mais y'a rien écrit dessus. Je sais pas ce que je devais te dire. Je t'ai demandé de faire des recherches concernant Apu pour voir si on pouvait pas trouver un moyen de le libérer. Ah oui, ça. Ah oui. Je sais qu'il peut t'aider à trouver Apu. Ah ouais? J'ai l'impression qu'il nous fait une épreuve de Fort Boyard depuis tout à l'heure à faire des énigmes. Là. Écoute-moi bien, le clochard. Je sais que ton cerveau est limité, mais c'est pas de comprendre, d'accord? Oh, le nombril qu'il a, frère. Voilà, c'est... il peut aspirer n'importe qui. C'est plus un nombril, c'est une schneck. Oh, même Moulbil était choqué. Arrête de faire le choqué. Combien de fois j'ai vu ton entrejambe? Je te présente Dracofeu. Dracofeu, c'est Bulbi. C'est pas un Dracofeu, ça, c'est un roi. Du tout. Oh putain, wesh, arrêtez de zigzaguer là. Non, marche droit là. Okay, c'est toi, t'es pas droit. Vous faites exprès, c'est pas possible. Pourquoi il y a autant d'animaux avec vous? Et ton maître? Ah, j'ai été l'elfe de tous les directeurs jusqu'à présent, mais ils sont tous morts. Il y a un si Holiday, mais il est mort. Allez, c'est bon, on peut y aller. Jure, t'as été l'elfe de Johnny Hallyday. Il a même pu m'apprendre des pas de danse, regarde. Un, c'est galère, tout. Attends, on parle de Johnny Hallyday ou Michael Jackson là? Je sais pas, je crois qu'il confond. Comment on se retrouve? C'est ta main? Ah, Bulbi, t'es jaloux, Bulbi? Tu vas voir qu'elle va te tromper pour des sacs Chanel, tu vas voir. Pour Noc, alors là. Oh là là, oh bordel! Oh, des chars d'assaut! Quoi, que fiat? Moi, je fais faire de l'opéra! Un refuge animalier, Poudlard, depuis un moment. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit ça. Excusez-moi, mais bon, vous trimballez un Dracofeu qui ressemble à un tigre. Là, on a une espèce rare en voie de disparition qui s'appelle la clochardise. Et t'oses me dire que c'est moi l'animal? C'est vrai que avec une oreille, tu captes RTL9 et avec l'autre. Oh le bâtard! Chef, viens ici! Bouge pas! Wesh! Wouah! Non, stylé! Vas-y, après toi, hein! Nope! Wesh! Attends, c'est un speedrun, le bordel! Donc t'es prêt? Allez, vite, chassez, chassez! Non! Ah voilà, vas-y! Oh, bravo, Crolar! Qu'est-ce que tu me ramènes là, Bulbi? Oh, il y a le professeur! Ah, monsieur Nino, comment ça va? Ça va, mais vous étiez où, wesh? J'étais en vacances aux Bahamas. Quoi? Me dorer la pilule, quoi. Tu m'as attendu, mais pendant que nous, on a eu énormément de problèmes, vous étiez en vacances! Et c'est qui, là? Ah oui, je vous présente, c'est... Il s'appelle Noc. Il m'a posé des questions par rapport à... Le clochard d'élèves, là! Par rapport à Apu? Il parle d'Apu, oui. Je peux peut-être vous aider sur un point. Oh, putain, je le savais, Noc, t'as vu ou pas? Noc?
De quoi? Je suis subjugué parce que je me demande pourquoi le prof là il met des traits d'eyeliner à fond comme ça sur le crâne. Tout doucement, t'es un ouf ou quoi? Doucement. Bien, visiblement vous m'avez encore ramené un comique. C'est pas de ma faute, j'attire tous les gens comme ça, c'est j'y suis pour rien moi. Eh professeur, stylé le perroquet là. Il s'appelle Chesterfield, c'est à Phoenix. Attendez, c'est lui l'ancien directeur? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est passé quelques péripéties. Nous avons fait intervenir le ministère de la magie, qui ont fait libérer Apu. Oh ouais! Pour sa sécurité personnelle, il a dû être renvoyé dans une autre école, monsieur Nino. Attendez quoi? Il n'est plus à Poudlard, Nino. Ah! Alors écoutez, la vérité, elle est toute simple, c'est juste qu'Apu a décidé d'arrêter la série. Oui, je sais, je suis surpris, tout comme vous. Ça fait bizarre et brusque de vous le dire comme ça, mais malheureusement, Apu a totalement arrêté Gmod. Tu sais, Nino? Oui. Faut pas que tu sois triste, l'autre ex sont un peu, mais tu sais où? Tu parles d'Apu, là? Ouais, Apu. Bah c'est un peu comme le H de Hawaï, il sert à rien. C'est un peu comme mes slips aussi. Oui, c'est comme ça que tu me remontes le moral. T'es avec assistante sociale sur mon front. Oui, je t'ai pas la tête du chien. Alors maintenant, là, il y a ma copine Axel et son ex Drago. Oh, c'est lui Drago. Moi, je suis un bonhomme. Je te fais encore une fois, t'as le mal à l'aise. Ça te dérange qu'on aille parler un peu plus loin par là-bas, là? Wow, Bulbi. Le petit blondine, est-ce que tu t'es trouvé une copine? Moi? Si je te laisse 10 minutes pour trouver une copine, est-ce que tu penses t'en trouver? Mais facile, mais... Quoi? Pardon? C'est pourri. Non, attends, mais dis pas que tu l'as pécho. J'ai une Formule 1 tout équipée, bien classe. Toi, t'as quoi? T'as un karting démonté qui sort de la casse. S'il te plaît, parle pas. J'ai 10 minutes pour trouver une meuf, mais il me connaît pas, moi. Et vous savez comment on m'appelle dans Poudlard? Ah, le gros baiser. Dis à ta servante qu'on la verra plus tard, hein, parce que là, c'est. Sa mère, sa meuf, je sais pas, elle vient de Saint-Denis, gros, elle a l'air trop énorme. Continue de critiquer ma jeune demoiselle qui m'accompagne et je vais m'énerver. Franchement, je veux pas faire de remarques, mais là, quand même des ins qui tombent. Attends, quoi? Elle a les mêmes ins que ma grand-mère. Oui, c'est bon, c'est rien, frère, profite de la vie. Cours, Nino. On fait la paix. Jure. On fait la paix. Ouais, mais direct. Tu... Wesh, arrête, Dobby, je vais te casser en deux là. Va faire manger. Wesh, il bat sa femme. Oh, oh. Va faire manger. Oh. Ah merde. Tais-moi. Non, ça c'est pas la bonne qualité, j'en suis sûr. Wesh, frère. Ah oui, c'est vraiment pas la bonne qualité. Ah, mais viens, on va voir s'il y a des meufs. M'expliquer qu'est-ce que vous faites dans ton... Oh, drague-là, ta meuf, ça. Ouais, t'es un ouf, toi, arrête. Ce qu'il ose pas vous dire, c'est que vous êtes charmante, madame. Non, mais tais-toi. On me l'a dit avant. Oh, et puis merde. Vous êtes célibataire, par hasard? J'arrive pas à croire que je dis ça. C'est un peu privé, ça, tout ça, mais bon. Mais vous savez, ce qui est privé, ce qui est... Wesh, y'a un rat qui est sorti de votre tête. Il faut prendre des douches, des fois, wesh. Il l'a démonté. Oh, bonjour. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh, tu me parles bien là? Eh, tu crois qu'on peut pas se péter, toi et moi? Eh, toi là, viens tout de suite là! Tant de mystère entre ces deux personnes, le couple il est tellement ouf! Je ne cherche pas à être en couple. Bah, pourtant vous devriez, parce que c'est pas souvent qu'on doit vous demander pour être en couple. Hein. Oh! Pour mentir. Oh. Théma, elle a pas le ventre d'Hagrid, mais en haut. Tu dirais pas une bouteille d'orangina un peu? Je vais être obligé de lui dire. Vas-y, t'es pas une balance. Je peux pas le garder pour moi. Madame. Non, vous pouvez y aller, allez-y vite. Bonne journée, madame! Dors-toi. Bulbi, tu sais ce qu'il a dit? Il a été mal à prof, il a dit on dirait pas une bouteille d'orangina. Monsieur? Monsieur Kinder? Oui. Je ressemble à une bouteille d'orangina. Quoi? Non, c'est pas moi qui ai dit ça, absolument pas. Eh madame, je vous bois quand vous voulez. C'est pas moi qui ai dit ça. Wesh les gars, bien? Attendez, j'ai dit vous ressemblez à une bouteille d'orangina mais sans pulpe. J'aurais dû bien le prendre, je comprends pas pourquoi je suis ici. C'est quoi cette tête? T'es moi le gros mono-sourcil. Tu dirais un vampire là. T'es moi, y'a ma meuf elle est là. Wesh, elle est en train de nous braquer.